Bonsoir à tous, bienvenue sur Access pour la première de votre magazine Cactus le Mag. Culturel et atypique, disponible sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et aujourd'hui, on a décidé de se faire plaisir en vous offrant deux parties d'émission à ne pas manquer. En deuxième partie d'émission, le duo Ideal Groove, représenté par Gilda et Christophe, originaires légitimement de Dornenay et la forêt Fouesnant, ils ont décidé de venir en Bretagne et de se faire plaisir plus particulièrement sur la côte sud finistérienne. Et on va découvrir un petit peu leur portrait dans un instant. Mais pour l'heure, j'ai décidé de vous offrir une première partie digne de ce nom. Nous sommes partis rencontrer l'organisation de l'Original Tattoo Convention qui aura lieu le 6, 7 et 8 septembre. Voici le reportage en intégralité. Salut, c'est Angèle. Salut, c'est Cédric. On représente l'association Tata avec Lulu qui organise la convention originale de tatouage de Quimper à l'Aniron. On est dans le milieu du tatouage et du piercing depuis quelques années, 2005. Donc on a commencé comme simple visiteur sur les diverses conventions qu'il y avait en Bretagne. Et à force de sympathiser avec les différents tatoueurs et les organisateurs, et par fréquentation, par relation, on a décidé avec les amis avec qui on a créé l'association Tata Vélelu de créer une petite convention traditionnelle à Quimper. Pas de gros objectifs, plutôt du tatoueur de qualité et des gens qui se connaissent, familial, traditionnel. Non. L'année dernière, il y en avait un magasin de Quimper, on avait pris très peu de Bretons. Le principe étant de permettre aux gens justement du secteur d'ici de découvrir des tatoueurs venus d'ailleurs. Ils vont pas traverser la France, ils vont pas aller au Mexique. Il y avait des Belges, des Tahitiens, des gens de partout. Des Russes. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'emmener des tatoueurs jusqu'aux clients. Après, ça dépend. Certains tatoueurs fonctionnent d'une façon, d'autres fonctionnent d'une autre façon. Par exemple, quand on va se faire faire un premier tatouage en convention, il y a des personnes qui ont déjà contacté au préalable les tatoueurs et qui ont discuté bien avant avec, et d'autres qui arrivent sur place et qui ont un coup de fleur sur ce qu'on appelle des flashs, des petits dessins que les tatoueurs ont déjà préparés. Et certaines personnes, c'est vraiment sur un coup de cœur, ils se décident à le faire, ils discutent avec le tatoueur et c'est parti, ils se lancent. Quand il y a un doute, faut pas le faire, ça reste à vie. Bon, après, surtout si c'est les premiers tatous, ils vont être très visibles. Après, quand on est couvert de tatous comme nous, des fois on fait des tatous un petit peu de délire sur des coups de cœur ou des coups de délire. Mais s'il y a un doute sur le modèle en lui-même, faut pas le faire, même si le tatoueur pousse, non, faut pas le faire. Si nous on n'a vraiment pas la sensation qui va nous aller, faut pas le faire. Et après, évidemment, faut garder un œil sur l'hygiène. Si le mec il travaille proprement, il prépare son matériel, que son poste soit bien préparé. Il y a des marques spécifiques qui conviennent au milieu médical, qui sont les mêmes qu'en hôpitaux. Et après, c'est beaucoup de protection. On va protéger les câbles, on va protéger la zone sur laquelle on pose les caps, dans lesquelles on met l'encre. L'encre est stérile, elle reste toujours dans son bocal. Elle a une durée de vie d'un an, après ouverture. Après les règles d'hygiène. Aujourd'hui, tous les tatoueurs qui tatouent et exercent sont sensibilisés. Il y a une formation qu'on appelle hygiène et salubrité qui dure 3 jours, 21 heures, où tous les tatoueurs, on leur explique comment ils doivent se comporter. Bon, je pense que ça paraît évident, mais pour certains, ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, tous les tatoueurs qui exercent ont cette formation. À eux maintenant de l'appliquer ou non, je pense que c'est comme dans toutes les disciplines. We'll be right back.
L'année dernière, il y avait Jarl qui a joué, il y avait les Watemess. Les bébés Michel. Les bébés Michel. Cette année, les Customers. Déjà 4. Après, on avait des danseuses burlesques. On avait Mathilde. Alors, Miss Glitter Painkiller, c'est une amie à moi. Et on avait choisi vraiment du burlesque, mais du burlesque comique. Que ça soit quelque chose que tout le monde puisse regarder, que les gens puissent venir en famille. Et justement, qu'il n'y ait pas trop d'effeuillage, que ça soit pas vulgaire. Et que ça soit vraiment rigolo. Et ce que... Je pense que c'est ce qu'on a réussi l'année dernière, cette année, mais c'était vraiment génial et je pense que les gens aiment ce côté aussi du burlesque rigolo où voilà, elle fait participer tout le monde aussi et je pense que c'est super important, ça donne un petit côté en plus où les gens peuvent participer, rigoler et c'est important. Un bon cahier des charges. Bien cloisonner les différents postes qui vont être mis en avant. Par là, on parle de communication, on va parler de musique, on va parler d'accueil, on va parler sécurité, on va parler financier. Savoir constituer un bureau de personnes intelligentes et qui fonctionne tout en cohésion. Je pense qu'un cahier des charges, cloisonner de la cohésion au sein du bureau. Et après. Des gens qui viennent aussi du même milieu pour essayer de justement avoir un maximum d'expérience, mais tout en restant dans le même milieu. Merci à toi. À l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est le moment dans votre émission de tenter de remporter un séjour pour deux personnes en maison d'hôte en France. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de partager la bannière promo de la page Facebook Cactus Quimper. Plus vous les partagez, plus vous avez de chances d'être sélectionné. Le tirage au sort a lieu le 19 octobre. Bonne chance à tous. Ouais, mais tu sais comment ça marche. Ben oui. Après, moi... Ouais, alors après, moi, je suis allé sur un site qui est pas donné à tout le monde. C'est Rencontre les oncles de ta région. Attends, je te rappelle. Cactus le mag, ça continue. Et aujourd'hui, découvrons le duo Ideal Groove. Il s'appelle Jida, il s'appelle Christophe. Ces deux sud-finistériens ont cet été cartonné dans les troquets sud-finistériens. Ce sera l'occasion pour vous de les découvrir, découvrir leurs influences et surtout de savoir... Si ils ont sorti un album. Reportage. Salut, moi c'est Gilda. Salut, c'est Christophe. Voilà, et on représente le groupe Ideal Groove. On est parti sur un concept assez disco, funk, house, donc de la musique qui groove. Donc on est parti là-dessus. Après, pour le Ideal, ça n'a pas été une mince affaire. En fait, on est allé un petit peu par élimination parce que voilà, on avait déjà Groove. Il fallait quelque chose qui sonne bien, voilà, qui soit assez facile à retenir. Et c'est au bout de, je sais pas, une, deux semaines qu'on a réussi à trouver le nom, Ideal Groove. Tu l'avais donné dès le début. Je disais, tiens, ce serait pas mal. Simple et efficace. Voilà. Et on l'a gardé. Ouais. Je pense pas qu'on ait d'influence musicale commune à la base. À la base, peut-être pas, non. Non, parce que moi, à la base, perso, je suis plutôt rock, déjà. Donc, j'ai été influencé par toute la scène rock et même la scène grunge dans les années 90. Mais avant ça, j'étais axé plutôt sur la new wave. C'est ce que j'ai écouté beaucoup étant ado. De la disco, donc des morceaux plutôt underground aussi. Et ensuite, je suis parti sur de la house. Mais de la house plutôt de Chicago, donc des choses aussi que j'entendais, que j'écoutais au Calao à l'époque. Et, mais j'ai une grosse influence rock à la base. Moi, mes influences musicales, vraiment au tout début, ça a été vraiment de la techno. Quoi. Les références, c'était Dave Clark, Carl Cox. Après, j'étais plus sur un style techno minimaliste. Richie Hawtin plutôt, qui est toujours une référence pour moi. Et la house que j'aime beaucoup, qui a un son vraiment chaleureux, qui a permis de rejoindre nos deux styles musicaux.
Ouais. Et là-dessus, moi, je suis plus house dans le style que je mixe là actuellement, avec des nuances toujours funk, disco. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire un son commun. Ah bah écoute, très très bonne question et qui tombe très bien d'ailleurs parce que j'en avais parlé à Chris. Moi perso, et c'est vrai que c'est commun, j'avais suggéré l'idée éventuellement de mettre en place un morceau, un track qu'on pourrait composer et jouer après. Alors par contre sur cette partie là, bah, c'est Chris lui qui gère ça très très bien. J'ai composé de la musique électro pour des courts-métrages aussi, pour des supports, pour des médias. Et l'idée ça serait ouais éventuellement peut-être assez rapidement de créer quelque chose. Alors pas un album mais déjà un track. Un morceau, waouh. Oh purée. Moi j'en ai un mais enfin, j'en ai plusieurs mais juste pour en sortir un qui est sorti depuis un petit moment, c'est de Purple Disco Machine que Gilda m'a fait connaître. Ouais. Morceau Feel My Needs que je trouve qui est vachement il y a une bonne humeur, il y a une bonne ambiance dedans, il dégage quelque chose d'assez happy. Je trouve que c'est un son qui va bien l'été sur la plage. Enfin c'est quelque chose de. Moi qui me motive quand je passe. Et moi j'ai un artiste très très peu connu que je joue très très souvent, Shoey Rubs. Et ses morceaux sont juste énormes. C'est ultra funky avec une boucle assez disco. Enfin il y a pas mal de mélanges de sonorités et généralement c'est dans tous les sets. Alors moi c'est très simple, enfin pour ma part, hein. Après tu vas voir, mais enfin moi déjà dans un premier temps c'est d'écouter du son, d'écouter tout le temps, sans arrêt, de se créer après, d'essayer d'évoluer dans son univers, mais surtout écouter un max. Après la technique elle vient au fur et à mesure. Mais le tout, c'est déjà de pouvoir, moi je pense, après c'est perso, mais c'est déjà de pouvoir passer les bons morceaux, les bonnes galettes et de se créer un univers propre. Et ça, c'est en écoutant un max. Et la technique, normalement, après, elle suit, quoi. Et puis là, avec les médias actuellement, on a tellement de possibilités d'entendre du son sans même de bouger de sa chambre. Parce qu'avant, on allait dans les magasins de disques, on écoutait, on mettait les vinyles sur les platines, on écoutait au casque, ça c'est bien. De bouche à oreille, on disait, bah tiens, ce groupe-là qui est bien. Maintenant, avec les médias, les réseaux sociaux, on sait à l'avance, enfin, voilà, ça communique plus facilement. Alors, ce qu'il faudrait, c'est simplement que le DJ, voilà, il reste dans son univers, qu'il passe un style qui lui plaît. Ne pas aller se forcer dans un style parce que quelqu'un lui a dit « Tiens, fais ça ». Non, qu'il reste dans son univers parce que c'est là où il sera performant. Qu'il se mette pas de pression non plus, parce que généralement, les meilleurs sets, c'est quand on les prépare chez nous. C'est là où on fait les meilleures performances. Et après, au niveau du matériel, il n'y a aucun souci. C'est pas le matériel qui fait le DJ. Franchement, c'est moi, j'ai commencé, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai mis un petit peu de côté, j'ai acheté du matériel, j'ai revendu pour acheter plus. J'avais jamais beaucoup, mais voilà, j'ai évolué, dates, tout à fait, j'ai évolué comme ça. C'est la passion qui m'a entraîné et qui a fait que j'ai petit à petit progressé. Un dernier mot ? Ben, restez funk. Et comme la musique est universelle et que franchement c'est... Funky style. Ouais, voilà, c'est vraiment le langage qui est compris par tous. Voilà, c'est garder cette passion commune, quoi. Cactus le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Prenez soin de vous et à bientôt sur Access.